Salut amis moi. Dans ce 62e numéro de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous vous invitons spécialement à expérimenter la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et pour cela, nous allons lire pour vous quelques versets de la Bible, la parole de Dieu. Le message de la Bible est la révélation puissante de Dieu en nous et de son plan pour notre vie. Une fois que nous avons la parole de Dieu, nous avons la puissance de Dieu en nous. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je disais que la Bible, la parole de Dieu, est une puissance de Dieu qui demeure éternellement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et encore, la Bible, la parole de Dieu, est une puissance de Dieu qui annonce les choses à venir. Luc 21, verset 32, verset 33. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoutez, mon ami, et rappelez-vous, la Bible est la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu qui juge et jugera tous les hommes qui ont vécu sur terre. Jean, chapitre 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La Bible, la parole de Dieu, est une puissance qui sauve quiconque y croit et veut la suivre. Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toujours et encore, la Bible, la parole de Dieu, est une puissance qui éclaire. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. La Bible, la parole de Dieu, est une puissance qui nourrit spirituellement. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon ami, rappelez-vous encore et toujours, la Bible, la parole de Dieu, est une puissance qui transforme les vies. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 2 Timothée 3, verset 16 et verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Écoutez encore la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jean 17, verset 17. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mon ami, la Bible, la parole de Dieu, est un outil qui nous façonne. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher? Souvenez-vous toujours, la Bible, la parole de Dieu, est une puissance pour le combat spirituel, une arme offensive et défensive. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous invite à laisser cette parole agir puissamment en vous, à utiliser puissamment cette parole dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse.